Eh bien, salut, j'en suis ici pour une découverte de Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes avec bien sûr notre Snake à droite. Et puis, on va tout de suite appuyer sur Start parce que là maintenant on va pas en discuter, non, on va pas se connecter par contre. On va maintenant commencer, on a un chargement de données, voilà. Mais on va mettre bien sûr en français, donc vous le voyez, jamais touché au jeu. Touché au jeu. Donc ça va être vraiment une découverte là. Vous n'êtes pas connecté, ouais, bah ça, on s'en bat les couilles. Ok, donc histoire, cassette, manuel du jeu, option, qu'est-ce qu'il y a dans l'option? On va aller voir vite fait. Ok, on s'en bat complètement. On va tout de suite commencer, voilà, comme ça. Donc, il y a normal ou difficile. Et sinon, il y a quoi? Ah oui, ok. Ok. Donc, il faut savoir que Ground Zeroes, c'est le prologue de Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. The Phantom Pain, qui va bientôt sortir aussi. Enfin, la date n'est pas encore sortie, si je ne me trompe pas, mais en tout cas, voilà, donc ça c'est le prologue, c'est juste pour voir comment ça donne un peu. Et puis, bah, je pense qu'il y aura une petite cinématique, que je vais me taire bien sûr pendant la cinématique. Donc j'espère que le jeu est bien. Il faut préciser aussi que je joue en version PS3, parce que malheureusement, bah, si vous l'avez pas vu la dernière vidéo, je vous invite à aller voir la dernière vidéo, le coup de gueule contre Sony. Voilà, maintenant on va se concentrer sur le jeu. Told us everything. Don't worry, I kept my word. He didn't suffer long. Here. You earned it. How's it feel to play the traitor? No more war games. You're a real man now, soldier. Give my regards to your boss when you get home. Par contre, je trouve que pour une version PS3, les graphismes sont quand même très très bien. Je vous invite bien sûr à regarder la vidéo en HD. Parce que les graphismes sont plutôt bien, je dirais. À première vue, quand même, bien vu. Ten days ago, we got reports that Paz was still alive. She survived. She was rescued by a Belizean fisherman who found her drifting in the Caribbean. So what's the plan?
silence her before we're compromised? No. I've got something else in mind. Our friends at Cypher suspect Paz could be a double agent. She's being held for interrogation at a camp on the southern tip of Cuba. Black site. Nice. A slice of American pie on communist soil and out of U.S. legal jurisdiction. The upcoming inspection of Mother Base has to be connected somehow. The timing's too perfect. The UN's nuclear inspection. My guess is they're trying to corroborate Paz's leak. We're an army without a nation. Word of our capabilities gets out, and we'll have the whole world out to shut us down. Having an American private intelligence agency involved is bad news. Cypher's the ones who sent Paz to us in the first place. She knows the true nature. Right. Paz is our only link to Cypher. If she's still alive, we need her on our side. So who's the other target? That would be Chico. He's being held in the same area as Paz. Last radio contact was 40 hours ago. Find them both. Bring them back alive. Enter the compound from the south cliff. Secure Chico and Paz, then report back from the rendezvous point. Ça m'a l'air d'être notre petit Snake. We'll send a chopper from across the Cuban border. You should be back at Mother Base in time for lunch. You'll probably just miss our guests. The only catch is you go in solo. The politically sensitive nature of the mission means backup is not an option. Fine. I like some alone time now and then. Snake, un ancien héros connu sous le nom de code Big Boss. Je
on dirait un peu le début d'un film. Mission info has been updated. This is an infiltration mission. You've got to stay out of sight. Before you go any further, use your binoculars to recon the area. Ok, donc R2. Ah d'accord, il faut rester appuyé. Bien savoir. Press the call button to get more intel. Quoi, the call button? There's a door in the fence. Mais je peux pas zoomer ou... Ah si, il y a écrit zoomer, voilà. Ah, ouh. Ok, ça c'est du zoom. Donc là, il y en a encore un. Voilà. Donc je pense que... Je suppose qu'il faut tous les marquer. Là, il y en a encore un. Voilà. Il y a encore du monde quelque part. Lui, par exemple. Bonjour. Voilà. Et sinon, il y a encore quelqu'un. Pour l'instant, pour le moment, on ne dirait pas dans le coin, en tout cas. Ok. Donc, est-ce qu'on a le droit de nous rapprocher maintenant, ou il faut encore bien regarder quelque part? Oula. Le mec. Donc, attendez. R1, ça sert à quoi? Ouh, ok. Ah, ouh, ok. Donc ça, c'est très bien, tout ça. Bon, je pense que les autres touches, on va les découvrir encore après. Keep low. You can check the controls on the pause screen. Quoi? Pause? Ah, ok. Mm-hmm. Et les commandes? Quoi? Ah, d'accord. Ah, oula, mais ça fait beaucoup sur un écran. Putain, ça c'est... Ça m'a l'air super compliqué, le truc. Donc, préparer armes, ouais, bon, les trucs, je pense qu'on va plus ou moins encore voir plus tard. Action de contexte, touche, ouais, bon, on verra sur le champ. On va bien apprendre sur le coup. Il faut juste pas que l'autre, il nous... Oh, non. On fait chier. Oh putain, mais l'autre, il nous look là, déjà. Blood. Ok. Putain, mais je trouve ça en fait super chaud parce que ils nous apprennent des trucs, mais en même temps, c'est déjà, on est en pleine action là déjà. Pourquoi j'ai pas pu faire une roulade là? Je suis trop nul pour faire une roulade ou quoi là? Bon, on s'en bat les couilles. Bon, allez, maintenant je vais courir. Merde. Mais pourquoi je peux pas? Ah oui, mais. Mm-hmm. C'est pas comme dans GTA, hein, c'est pas pareil. Putain, mais l'autre, il n'a pas marre de nous mettre les phares dans la gueule, là. Donc, alors, attendez, on va revenir. On va attendre jusqu'à ce qu'il revienne, voilà. Et puis là, on va courir. Allez, cours. To climb an obstacle, press the action button. Voilà. Donc lui, on va se le faire. Oh putain! Mais fais quelque chose! Bon. Là, j'ai pas envie que dire de qu'on s'est déjà loupé, mais c'est un peu ça en fait. Donc on va attendre jusqu'à la... Le mec, il fail déjà le premier truc qu'il veut faire. Le mec, il est déjà en train de fail. Bon, déjà, la musique, ça fait bien la pression. Il fait chier, pourquoi il a su qu'on était là direct cash? Bon, je pense qu'il y a moyen de le faire un peu plus discret que ça. Now head east to the old prison area. You can bring up the target's location on your iDroid. iDroid, carrément. Ok. Je rêve ou un mec qui se rapproche super dangereusement là. Mais mec, mais ne te rapproche pas comme ça. Comment on fait ça avec le iDroid? Ok. Donc. Oh putain! Mais mec! Il y en a de partout les gars! Non mais putain, mais moi je voulais le faire super la snake là, super tranquille, et puis là ça... Ils font chier là.
Putain, mais le truc super pas discret là. Et en plus, j'aime bien encore parce que l'autre à la radio il dit encore ouais, c'est une mission. Putain, mais je sens pas assez. C'est super chaud là. Pourquoi j'arrive pas à le faire tranquillement là? Ça c'est les habitudes de Call of là. Où ça? Bon allez, on va voir là. Putain, qu'est-ce qu'il fait? On va voir là. On va rester un peu tranquille ici. Hashtag posé. Peut-être pour que l'alarme se... Ok, donc toute la situation s'est calmée un peu. Mais en fait c'est un peu plus chaud que qu'est-ce que j'ai pensé, parce que surtout que normalement je voulais le faire un peu plus tranquillement. Parce que ça c'est vraiment pas très très le genre de Snake là, le bourrin comme ça. Mais bon, maintenant on va essayer de le faire quand même. Juste il faut pas me déranger pendant que je suis sur mon iPhone là, enfin le iDroid. Donc ok, là il y a un ennemi. Boussole, oui, non. Oui, peut-être. Ah, ok. C'est là où il faut aller. Marker placed. Ok, marker placed. Ok, donc c'est bien vers là-bas. Donc on est allé en fait dans la bonne direction. Sans le savoir. Même si on n'a pas forcément fait le plus calme. Mais bon. Allez, maintenant par contre, on va vraiment essayer de le faire un peu plus tranquillement. Putain, merde. Non, qu'est-ce qu'il fait? Ok, est-ce qu'il y a des ennemis là? On ne dirait pas. Ça, c'est plutôt le truc où il y a tous les prisonniers là. Ok, il n'y a personne là-haut. Non, on ne dira pas. Comment on fait pour aller là-dedans par contre? Est-ce qu'on peut genre aller là-haut et après sauter d'ici? Ce serait un truc à faire. That's a searchlight. That should be perfect for searching out the targets. Eyes open, boss. Ok, donc là, ça c'est tous les gars qu'il faut sauver. Là, il n'y en a pas deux encore. Voilà, ici. Là aussi. Ok, mais il y a aussi des gardes, donc faut faire gaffe aussi. Allez. Très bien, il s'arrête. Retournez à vos postes, ok. Donc où est le gamin qu'il faut sauver? On va faire le tour en... Oh putain. Il m'a vu ou pas là? J'ai l'impression qu'il y a un mec qui m'a vu là, mais c'est pas... Putain, c'est chiant là. Allez, on recule, on recule, on recule comme... Oh putain, non.
l'ai bien vu, sauf petit. Alors attendez, on va se le choper. Tiens. Allez, allez, et toi encore, et encore. Oh merde, non, 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 non. Non, fais chier. Non, j'étais en train de m'amuser à mort, là. Qu'est-ce qu'il y a comme choix, là, à faire? Putain, ça, c'est de nouveau pas discret, là. Putain, mais pourquoi il y a autant de gardes? Oh, putain. Bonjour. Encore quelqu'un? Putain, mais j'arrive vraiment pas. Ça, on va pas s'en sortir avec le truc. Bonjour, je peux rien faire? Ah voilà. Non, ok. Je comprends pas tout à fait le truc. Mais par contre là le problème c'est que... Ah c'est pas lui là? Chico. Chico. Si c'est lui. Chico, it's me. No! No! Go away! Go away! Come on, man. Move me out of here, please. Get off me! Get off! Chico, keep it down. Go away! Only take a second. Come on, right over here. Hey, hey, Chico, let me out. You let me out, too. Can't we stay here? Get off me! Get off! Chico, calm down. Calm down. Don't fight it. Il est quand même pas mort là. I got Chico. And Paz? Not here. Are you sure? Pretty sure. Is Chico able to walk? Hold on. Not gonna happen. You'll have to carry him out then. Okay, boss, change your plans. Haul Chico over to the rendezvous point. We'll get Paz's whereabouts out of him once he's calmed down. En plus, il faut le porter. Ça va être chaud. Mission info has been updated. I marked the RV on your map. Okay, now carry Chico there. Bon. The map has been updated. On va y aller un peu plus calmement. Juste, est-ce que je peux me... poser? Non. Ah, ok. Comment je vais pour sortir après maintenant? Oh putain, il y en a un. Chut. Tais-toi. Donc attends, reste là. Oh putain, fais chier là! Qu'est-ce qu'il fait, Snake? Putain, mais j'arrive pas encore à contrôler le truc et puis surtout de pas me faire. Oh putain, on va se dépêcher de nouveau là. Oh non! Mais là, on est. Là, on est dead, on est Clems, on est foutu. Hein. Alors attends, mec, je te mets là, je te dépose juste, tu te fais là. Si ça marche, non? T'as pas envie? Comment on fait? Ah voilà. Mais arrête de... Allez, on va faire la version Call of. Y a pas de souci. C'est pas pour rien que on a fait des années d'entraînement sur Call of. Et toi arrête de... Donc, j'aimerais juste aller sur mon iPhone là, enfin mon truc bizarre. Ah voilà, c'est ici, voilà. Ok. Donc, on va mettre...
qu'est-ce qui me tire dessus là. Monsieur. Ah voilà. Ils sont là les gars. Oh putain, on voit du renfort, mais mec. Mais mec. On va dégager d'ici. Putain mais... Putain mais là avec le renfort ça va être encore... truc de ouf là. Donc est-ce que ça serait une bonne idée d'attendre en fait? De faire genre comme ça. Et genre qu'on n'excise même pas. On bouge pas pendant des heures. Comme ça. En tout cas, ça serait la version la plus tranquille, je dirais. Eh! Mais mec! Ah ça, effectivement, c'est con s'il y en a juste un mec là. Oh putain, mais là, on peut quasiment oublier. Ils sont chiants là. En tout cas, le jeu m'a l'air vraiment pas simple. Et non, non, c'est pas ça que je voulais faire par contre. Parce que là, non, non, non. Voilà. Non, 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 mais mec, cache-toi comme ça. Voilà. Mais j'imagine pas le niveau difficile parce que là, ça va être encore plus chaud. Mais ne vous inquiétez pas, il me faut juste un peu d'entraînement, il me faut peut-être un peu plus d'entraînement que d'autres avant de capter le jeu et les fonctionnements du jeu. Donc maintenant on y va. Attendez, est-ce que c'est là-bas? Ah bah non, on peut pas aller vers là. Par contre là il y a de nouveau des renforts qui vont arriver, donc ça va être chiant de nouveau là. Donc ne vous inquiétez pas, les prochaines fois ça va être un peu plus calme. Enfin j'espère. Et je vais essayer de ne pas faire chauffer à chaque fois. Parce que là... C'est quand même chaud là, qu'est-ce qui se passe? Voilà, Chico, t'es encore en vie? Chico, where is Paz? She's dead. When was this recorded? She's dead. Il est sérieux qu'il écoute ça maintenant? Okay, now use your iDroid to call the chopper for pickup. It's been updated. Okay. Marker placed. Mais c'est exactement là. Le mec il donne encore un petit coup de pied. Mais c'est pas ici? Alors j'ai pas capté. On est exactement là, ok. Là il y a d'autres prisonniers. Je ne sentais rien. C'est ici qu'il faut aller. Alors attendez, attendez, attendez. Je comprends pas. Point de contrôle. Merde, non, non, c'est pas ça. Retour. Voir les records. Records de défi. On peut pas voir qu'est-ce qui est exactement notre mission. Donc je suppose que déjà, Chico, il est bien placé ici. Putain, j'aime bien comment il le lance comme ça, comme un gros bourrin. Donc nous, on y retourne là. Parce qu'on n'a pas d'autre chose à faire. Marker placed. Allez, on va le mettre là. Donc, le poste anti-aérien, comme ça, on peut effectivement faire quelque chose là-bas. Chico's tape probably contains some clues to where they're keeping POS. Select it on your iDroid to listen to it. Ah, ok. Mm-hmm. D'accord.
Ok, donc on va écouter un truc sur notre truc, voilà. Donc il y a carte, navigation, menu, voilà, c'est bien. Ah, ok, j'ai compris. Comme d'habitude, il me faut toujours un peu plus de temps. Alors. Oui. On va lire ça. Passe ! On your feet. Okay. Chico was taken out of his cage. Did he leave the tape recording while he was being moved? Paz might be up ahead. I hear vehicles. And a flag. C'est un hélico, ça. Must be near the heliport. Mmh. Oh là. C'est un garage qui s'ouvre, ça. A gate. Ah, il y a de nouveau la musique là, du début. Oula. Chico left the tape on record while he was being moved. Try using what you hear to find Paz. If you're still not sure, listen to the tape again. Bah disons. Ok, là on peut voir les. Mais disons, ça m'a l'air quand même d'être. C'est chaud. Je suis pas sûr. Mais par contre, de toute façon, on va faire ça la prochaine fois. Ça fait déjà plus que 30 minutes là. Donc j'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, on va le faire un peu plus discrètement, j'espère. je pense. Non mais je vais vraiment essayer de le faire un peu plus discret parce que là c'est vraiment genre un peu le truc de Call of limite là. Enfin non. Mais à première vue quand même le jeu a l'air plutôt pas mal. L'histoire a l'air assez la classe mais ça on verra la prochaine fois. Donc salut les gens et à très très bientôt.